Bonjour tout le monde, bienvenue, ici Jake, vous êtes sur Iva Sound Studio. Et j'avais commencé, c'était quand? Mercredi, Metroid Dread. Nous sommes samedi, voici la suite de Metroid Dread. Je sais pas si ça sera terminé aujourd'hui, j'en sais rien du tout. On verra bien, en attendant je sais que c'est un vrai labyrinthe, que je m'y perds énormément. Du coup c'est parti, on y va. Je suis... 1h55 de jeu. Alors en vrai ça a duré plus longtemps parce que je crois que c'est avec les écrans, enfin quand on appuie sur la carte, quand on appuie sur pause, etc., ça ne compte pas en tant que temps de jeu. Du coup voilà, continuer. J'ai la gorge qui pique beaucoup, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Je vais faire au mieux, je suis désolé. De mémoire, je venais d'arriver à la zone numéro 3 d'Eron, je crois, d'Iron, quelque chose comme ça. Mais à la zone d'avant, je n'avais pas battu l'Emi, Emi. Et j'avais pas vu de boss non plus, en vrai, pour battre l'Emi. Donc, on va voir. J'ai sûrement raté des choses. Je pense même avoir raté quelque chose. Alors, comment on joue? Carte. Donc là, je suis où? À Qataris, ça m'a renvoyé à Qataris, ça a pas sauvegardé. Donc quand on change de région, ça ne sauvegarde pas. Mais punaise, faut refaire le trajet de la dernière fois. Mais je sais plus où est-ce qu'il fallait aller, moi, en fait. Attendez. Fallait aller où? Là il y a une trappe ouverte. Ça je sais pas l'ouvrir. Punaise, attendez, fallait que j'aille où? Je partirai bien sur la droite. Il y a un truc là ici. J'en reviens pas en fait de cette c'est une erreur hein, de ma part clairement, mais bah, du coup on va aller à droite, on va aller à droite. Je suis même choqué en fait. Alors, attendez, comment on joue? Il y a un truc là-haut. Pause. Non, c'était pas ça. Oula, on se calme. Comment on tire déjà? Comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est ça, peut-être. Okay. Mince. Ah oui, lui qui m'embête. Faut que j'aille où? Bah à gauche en fait, c'est à gauche qu'il fallait que j'aille. C'était tout à gauche, je me suis trompé. Pardon, je passe. Pardon, je passe. Merci. Pas sûr que ce soit là en vrai. Donc ça non, ça on a dit que je ne pouvais pas y aller. Ça je m'en souviens, je ne pouvais pas y aller. Donc c'était pas par là.
fait monter. Non. Alors, si c'était pas par là, c'était par où? Par là-haut? Punaise, il m'a fait revenir en arrière. La vie, c'est Alan, la vie. Comment je fais? Je sais plus comment je m'accroche, génial, je suis content. Mais c'est pas possible. Voilà. Et là, je ne peux pas passer. Pourquoi? C'est un truc à faire spécifique. Je sais plus où est-ce que il fallait que j'aille. Il y a un marqueur là. Pourquoi j'avais mis un marqueur là? Pour aller en haut ici. Pour aller en haut ici. Et faire ce trajet là, d'accord. Non, ça c'était fait, voilà, ça c'était fait. Tac. Je reviens en arrière. Je descends ici. Je descends ici. Voilà. Ah oui, il y avait un. Il fallait que j'aille à gauche ou en haut là. Je sais plus. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'aille là? Ah oui, il faut faire descendre cet ascenseur. Voilà. Tout simplement. Mon dieu, il y en a un deuxième. Je l'avais pas vu, il était caché. Ok, ça je récupère. Mais il y en a plusieurs, je crois, des comme ça. Hop! Là. Là. Punaise.
Ami, il passe à travers les murs et tout. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, il y a un passage là. On prend. Pourquoi il y a un truc là? C'est quoi ce mur? Il y a un truc en haut? Bizarre. On passe là, on passe là. On fait ça. Je crois que là il y a de la lave. Non, pas encore. Où suis-je? Là, je peux pas y aller pour le moment. Ah, je crois que je m'en souviens. Le point de sauvegarde n'est pas de refus. Hop hop hop. Et là ça me fait revenir ici, donc je n'y vais pas. Et ça c'est le transport. Voilà. Sauf que mon problème, c'est que je veux sauvegarder. Et là ma sauvegarde, elle est méga loin, la sauvegarde. Bon bah go. Donc là j'ai récupéré en quelques minutes ce que j'avais fait en fin de stream de la dernière fois sur Metroid. C'est au trame des profondeurs dans World of Warcraft. Ok. Une sauvegarde peut-être? Alors ici ça faisait très très mal. Hein. Je peux grimper là? Je crois que j'avais grimpé même la dernière fois. Ces papillons, je sais plus à quoi ça sert. Là, il y a quelque chose à faire. Mais quoi ? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Là, ça se reforme. Dans des cartes. Je pourrais descendre. Mais si je vais là, est-ce que je peux remonter après? C'est ça le truc.
Il y a un truc qui fait laser là. Aïe. Je me cache ici. Oh trop bien. Je prends. Nickel. Alors, là il y a un truc à gauche. À droite, il n'y a rien d'intéressant. Lui il m'avait fait mal la dernière fois. Mais j'étais tombé en fait. J'étais pas monté, ok. Donc là je suis bon. Mais j'ai toujours pas de sauvegarde. Oh punaise, voilà. J'avais pas grand chose à faire de plus la dernière fois pour avoir la sauvegarde en fait. Bien sûr que je sauvegarde. Alors. Il y a cette chose en haut que je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que... Ça se casse ou pas? Pas l'impression. Ça oui. Ça non. Très bien, j'ai gaspillé des fusées pour rien. Oh, j'ai tellement eu bien fait là. Mais ça, ça fait méga mal. Ah! Et ça, ça se casse sans que je le décide. D'accord. Va falloir faire attention à ça maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette chose? J'ai plus de roquettes. C'est un peu idiot ça. Parce que lui je peux plus l'attaquer. Qu'est-ce que c'est que ça aussi? Mais c'est n'importe quoi. Allez Samus. Cassos. Alors attendez, point sur la map. Peut-être monter. Oh, je prends. Ah, il est cassé. Ah non, il est cassé. Et j'y vois plus rien, plus rien du tout même. C'était quoi ce bruit? Pourquoi il y a un truc qui fait des choses là? C'est une zone émise sans que ce soit signalé émise, j'en suis sûr. Punaise. Bon, on fait demi-tour. Je peux pas faire demi-tour. Comment ça, je peux pas faire demi-tour? Ah si, c'est bon, j'ai rien dit. C'est moi qui suis juste aveugle. Il y a lui qui m'embête. Je peux pas l'avoir, lui. Pas sûr. Pas grand chose comme dégâts en vrai là. Non, ça lui fait rien. Ah ok, si en fait, vous prenez quand même des dégâts. Alors, il y a une porte ici que je ne peux pas toucher. Très bien. Là-haut c'est bloqué. Il faudrait que je puisse avancer un peu sur la droite. Mais j'ai plus aucune fusée. Un truc là-bas. Salut, je passe. Ah non, je peux pas passer en fait, on se casse. Bon, par contre, j'ai plus du tout de fusée. Il faudrait que je revienne où pour avoir en avoir. Que je revienne. Non, c'est trop loin. Hein. Tant pis. On va essayer de faire ça.
Mais il est tout cassé. Un peu déçu. Bon. Ouf, il va falloir regarder la map parce que je vois rien. Il y a un truc qui fonctionne sur la gauche. Comment y accéder ? Pas par là. Comment elle est fichue la map là ? On voit rien du tout. Je peux pas passer là non plus. Sérieusement. Je suis bloqué dans la salle. Blindage missile. Missile. Oh là 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 là. Bonjour Naoto Fuyo. Premier métro. Je connais la licence de nom. J'ai déjà vu des gens jouer à des Metroid, mais pour ma part, ouais, c'est mon premier Metroid. Et concernant les jeux de ce type, donc Metroidvania. Castlevania, Hollow Knight, etc. Je dois reconnaître que je suis encore plus perdu sur Metroid que sur les autres. Donc je fais ce que je peux. Mais je suis perdu quand même. Mais, allez, saute. Voilà. Bonjour, Widios. Quand vous êtes coincé, commencez à tirer dans les murs. Oui. Mais là, en fait, ça m'indique blindage missile. Voilà. Sauf que j'ai plus de missiles du tout en fait. Donc il va falloir que je revienne en arrière jusque là. Essayer de faire le plein sans mourir déjà. Sans mourir, c'est pas mal. Sans mourir. Aïe. 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 Ah non, mais je peux même pas remonter du tout en fait. Ah punaise. Sans missile, ça marche moins bien. Ouais. Mais vu que là, je peux pas remonter. En gros, faudrait que j'aille ici. Bon, bah on va voir. Poussez-vous. Et voilà, je... Punaise, non, il y a le... Quoique si je meurs, après au moins je peux revenir au truc des munitions. Mais là, je suis... Au secours, au secours. Cachons-nous. J'ai 9 PV, quoi. 9 PV, au secours. Comment est-ce que... Bon, ben voilà, ça c'est fait. Elle est arrivée de loin. L'espèce de pic là, d'épine, elle arrivait de méga loin. Je l'ai pris quand même. Hein. Bon. Maintenant que je suis là. Ah oui, d'accord. Donc au revoir la map, quoi. Génial. Moi qui n'ai pas de sens de l'orientation. Pourquoi il y a un écran noir? Ah bon, j'ai eu peur. Vas-y, fais le recharge sous toi. Ah bon. Ah mais c'était de la vie, ça c'est même pas des missiles.
Ok, je vais essayer de d'économiser des missiles. Non, je voulais pas aller là en fait, n'est-ce pas ? Je vais essayer d'économiser des missiles. Voilà, ça c'est fait. Bonjour madame, écoutez-moi, je passe. Si j'y arrive, ça serait mieux. Voilà. Remonte. Remonte ici. Voilà, là je peux pas y aller, mais au moins j'ai la map qui est affichée. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert depuis méga longtemps. Je peux pas aller là-haut, punaise. Là, on a vu qu'on pouvait pas y aller non plus. On descend encore. On va juste afficher la map là pour faire joli. Voilà, on remonte. Et on meurt. Tout ça parce que je veux afficher la map en entier, quoi. Ah. C'est tellement cher. Voilà, maintenant que je suis de nouveau ici, on vient là. Qui n'est toujours pas réparé, j'ai oublié. On va là. Là, on fait gaffe. Là, ça va taper dans le mur. Voilà. C'est flippant. Alors, là, il n'y a rien. On se fie à la map. On tue des choses qui nous embêtent. Si j'y arrive. Ou pas. Voilà. Voilà. Tac. Bah. Ça fonctionne pas non plus, sérieux. C'est bon, il y a un passage. Ou pas. Ou si, c'est bon. Je peux remonter là ou pas? Oui, je peux remonter. Mais alors attendez, parce que... Il aurait été intéressant d'aller ici, mais pour l'instant je peux pas. Là, il y a... Pourquoi c'est aussi grand là? Ça, ok, ça va peut-être mettre la lumière. Voilà, on y voit mieux. Par contre, j'ai intérêt à récupérer une sauvegarde. Parce que je peux pas me permettre de refaire tout ça. Bon, maintenant que ça s'est fait, que j'ai la lumière, peut-être que l'électricité va fonctionner sur les missiles. Et je peux pas aller là, hein. ça me frustre ça. Oh man. Non. Voilà. Et maintenant je fais quoi moi? Il
Je vais mourir sur ça, vous vous rendez compte? Je l'ai eu, punaise, je l'ai eu. Là, le stress, c'est de pas prendre la roue. Voilà. Je peux aller là? J'ai le droit? Ok. Une sauvegarde. Oh, c'est encore mieux qu'une sauvegarde. C'est un chorizo. Je prends. Ah. Rayon large obtenu. Tire 3 rayons simultanés. Oh punaise, ça va être ces fameuses portes. Il va falloir que je revienne en arrière. Appuyer sur Y permet de repousser les caisses rayon large, permet de détruire les blindages rayon large. Ok, très bien. GG, merci beaucoup. Un chorizo, oui, parce qu'en fait les créatures, ça... les êtres, ou je sais pas quoi, ou les... même les pouvoirs, ça s'appelle les chozo. Et du coup, moi je s'appelle ça des chorizo. Voilà. Mais c'est quoi cette énigme là? Non mais attendez, faut le savoir ça, arrêtez. Voilà. Mais j'avais dit qu'il fallait que j'aille par là. Je ne sais pas comment y aller. Là, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Il y a des choses intéressantes partout en fait. Et je reviens ici. Très bien. Ça fait 3 fois plus de dégâts. Ah oui, de la vie. Attendez. Il faut que j'aille en haut à droite. Voilà, ça c'est. Il est où le machin? Je l'ai tué? Apparemment. Waouh! D'accord, magique. Et là, je monte. Le choix que de monter en fait. Par contre, j'ai plus de vie du tout. Hein. J'ai la sauvegarde, elle est loin. Je peux pas la retrouver. J'espère qu'il y en a une plus haut. Il y a des choses bizarres en haut. Encore, il y a ces fameux carrés bleus là. Et là, on rentre dans la zone Emi. Non. Je souhaite une sauvegarde par pitié, quoi. Tu connais les contres? Ça permet de looter un max sur les ennemis. J'ai tenté des contres sur les Emi, mais c'est. Ça, voilà, j'ai 99% de chance de les rater. Mais les contres sur les ennemis classiques, non. En vrai. Attendez, il faut que je contrainte. Voilà, j'ai à contrer les ennemis.
Attendez, vaincre un ennemi après l'avoir étourdi par une riposte permet d'obtenir plus d'objets. Appuyez sur X en courant. X en courant pour effectuer une puissante frappe de course. Contrairement aux autres frappes de riposte, elle inflige des dégâts. Mais là, je suis dans la panade. Déjà, pourquoi ici il y a une punaise? C'est ça qui se cassait en fait, c'est ça. C'est ici que ça se cassait. Là, il y a un truc bizarre qui n'est autre qu'un truc de glace ou je sais pas quoi pour s'accrocher. Mais là, j'aurais pas pu passer. Ouais, là, j'aurais pas pu passer de toute façon. Où suis-je ici? Donc là, je vais être obligé de rentrer dans la zone Emmy. Il va me courir après. J'aurais bien voulu remonter, sauf que là, je suis bloqué. Ensuite, je pourrais aller là, par la suite, avec ma nouvelle arme. Ouvrir cette porte-là aussi au passage. Mais pour l'instant, je ne peux rien faire que avancer. Bon, ben, prions. Hein. Allez, cinématique, non? Carte, je suis obligé d'aller. C'est fermé. Non. Pas lui, punaise, pas lui. Mais il va méga vite. Non! Fous-moi la paix! Fous-moi la paix! Non, non, non! Finalement, je vais mourir, je vais mourir ici. Voilà. Là, j'ai tout à refaire, là. Tout! Toute la zone. Ah non, ça va, ça m'a sauvegardé juste avant la porte de l'Emmy. Mais du coup, j'ai toujours pas de vie. Hein. Punaise. Y'a pas moyen de récupérer un peu de vie là? Ouais, sur ça par exemple. C'est toujours ça de prix, c'est pas suffisant mais. La vie avec le EMI, tu t'en fous, it OS. Oui, oui, mais en fait, pardon, il y a cette histoire de contrer l'EMI avec 1% de chance, donc je me dis que bon, un jour ça fonctionnera. Allez, on va, cinématique, tac. Cours, Samus. Alors non, c'est pas grave. Cours. On n'a pas le temps là. Où est-ce qu'il faut aller? Non. Non. L'oiseau, quand il t'attaque, ça fait un tic et un flash. Tu peux contre, et c'est pareil pour tous les mobs quasiment. Ok. Tic et flash. Voilà. Pourquoi il y a en plus la petite en haut? C'est pas par là non plus. Punaise, c'est quoi ça?
Et pourquoi l'ennemi il me suit plus là? Pourquoi il m'a plus suivi le truc là? Le jeu s'est dit il est trop nul, faut l'aider quoi. Bon, j'aurais pu aller en haut à gauche, hein. On retient. Il faut sauvegarder. On va sauvegarder maintenant. Maintenant qu'on est full life, c'est beaucoup mieux de sauvegarder full life. Alors, faut remonter. De vie plus t'es fort, ça marche pas. Non non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi je reviens là? Pourquoi je reviens ici là? Attendez, faut que je retourne dans la zone d'avant. Ça, je peux pas le toucher ça. J'ai pas assez de... J'ai pas l'arme qu'il faut. Là, j'aurais peut-être pu jeter... Non, c'est fermé, fermé. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à part retomber ici. Là, j'ai pas compris comment y accéder, donc ça doit pas être maintenant. Et ça, c'est la map de la zone. Elle est pas bien grande, cette zone, en vrai. Par contre, elle doit être punitive. Elle n'est pas bien grande, mais la zone doit être punitive. Quoique, il y a quand même des portes de partout. Donc tout ça, non, non, je me trompe. Tout ça, c'est les portes de la zone EMI. Mais il y a des portes autour. Donc non, la zone, elle est grande, en fait. Et puis une porte là, hein, faut pas oublier. Et là, il y a un passage en bas. Eh ben, on l'a pas terminé, le jeu. Eh ben, écoutez, on retourne à la catharsis. Catharis, je sais plus comment ça s'appelle. Catharis. Ok, alors, maintenant qu'on est revenu ici. Déjà, je comprends toujours pas pourquoi des fois il y a des zones qui clignotent. Ça, j'ai pas compris. Des fois, il y a des zones, ça nous dit ça clignote. Pour moi, quand ça clignote, ça veut dire allez là-bas. Sauf que, bah, il n'y a rien là, en fait. J'ai déjà fait 50 fois la zone. Voilà. Bon, on va pouvoir pousser cette porte. En fait, on va aller pousser cette porte. On n'a pas trop le choix. Donc, je vais me marquer ça. Réfléchis. Là, il y a un truc là. Donc, on va aller là, puis on va descendre, aller dans cette zone-là, récupérer cette chose rouge.
On va déjà essayer de faire ça, ça sera pas mal. Donc, je vais là, je fais le tour juste ici. Ok. Pratique. Mais ah, j'ai juste à descendre. Ça merde. On va s'embêter plutôt. J'ai plus de missiles. Ok, zone ouverte. Donc maintenant je peux retirer ce marqueur. Aller à gauche. Attention à l'Emmy. Alors attendez, là il faut que je descende par la gauche. Et l'Emmy ici il est très très embêtant en fait. Hop hop hop, on m'a pas vu. On m'a pas vu. Punaise, non, il m'a vu. Il était là! Mais signalez-le sur la carte, je sais pas! Comment voulez-vous que je fasse si le machin il est dans mes pattes? Soit il est là, soit il arrive là. Mais moi j'ai pas le choix, enfin, j'ai qu'un passage là, j'en ai pas 50. Hein. Ou alors, attendez, où suis-je? Et ouais, mais non, ça c'est fermé en fait. Donc non, je n'ai vraiment qu'un seul passage. Je n'ai qu'un seul passage. D'être un poil plus mal. Bon, maintenant faut courir. Je vais en haut. Bah, on va pas en haut en fait, non. Il m'a eu. Génial, j'ai plus le temps de regarder la map. Pourquoi y'a plus de vie, punaise. C'est quoi cette arnaque? C'est pas là le passage.
Stop. Stop, ça, de mémoire, ça fait mal. Non ? Si, ça fait mal, ça. Non! En phase 2, c'est déjà pas mal. Moyen avec de faire quelque chose avec les cercles. Non. Normalement, je vais pouvoir peut-être me débarrasser de Lemmy maintenant. L'unité a transformé votre canon en canon Oméga. Décharge Oméga opérationnelle. Rafale opérationnelle. J'ai. De toute façon, Lemmy, il me touche, je meurs. Donc, Bonjour, je voudrais passer. Ah, attendez, comment ça fonctionne ça déjà? Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est comme ça, puis comme ça. Ok.
L'important c'est de trouver une bonne longueur, ouais. Sauf que dans cette zone là, il n'y en a pas beaucoup. Attends, il va arriver par où? Par là-bas. Par là. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bon? Il est mort? Bon. Étrangement, c'est l'ennemi le plus rapide que j'ai tué le plus rapidement. Alors c'est lui qui m'a fait le plus peur depuis le début. Boule morphing obtenue. Oh, enfin! Je sais ce que c'est, ça va me permettre de passer par les petits passages qui m'embêtent depuis le début du jeu. Ça, je sais ce que c'est. Et oui. Appuyez sur ZL ou inclinez le joystick vers le bas quand Samus est accroupi sous la forme de boule morphing. Appuyez sur B pour sauter. À proximité d'un tunnel étroit près du sol, appuyez sur B en déplaçant Samus dans la direction du tunnel pour qu'elle se transforme patati patata. Ça fonctionne aussi lorsqu'elle est accrochée à une corniche menant à un tunnel étroit. Ok, on regarde le petit gif vidéo. Ok. Ah bien, on va pouvoir découvrir plein de nouvelles choses sur la map. Parfait. Parfait, parfait. Alors ça, du coup, je l'enlève. Il y a un autre marqueur que je voulais enlever, c'était ici. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir retourner à Dairon. Mais avant ça, j'aimerais bien me balader un peu. Et pas venir ici du coup, parce que là du coup il y a quelque chose. On va aller jeter un œil ici. Je regarde. Je suis pas sûr que ce soit la bonne technique hein, en vrai, mais. Normalement il n'y a plus de. Attendez. Tout est bleu. Ce n'est plus gris, c'est bleu. Donc normalement, il n'y a plus de Emmy. Il y a d'autres choses, mais il n'y a plus de Emmy. Je regarde la map partout. Là, il y a un petit tunnel. C'est juste pour passer d'un truc à l'autre plus rapidement, je pense. Là, il y a quelque chose. Là. Rayon de puissance. Pourquoi je ne l'ai pas ouvert, cette porte? Celle-là non plus, d'ailleurs. Rayon de charge. On va mettre un marqueur ici. À condition de pouvoir y accéder, ça c'est autre chose. Ça. C'est autre chose. Ça, je ne sais pas encore comment ça s'ouvre. Où suis-je? Là-haut. J'avais dit qu'il fallait. J'ai deux marqueurs. On va commencer par la gauche. Donc j'ai juste à descendre en fait. Allez, go. Et voilà. Cool, plus de missiles, ça c'est bien ça. Et voilà. Comment ça, une porte émise? Il y a un deuxième émis dans la zone, c'est ça?
déjà allé là, non? Non, 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 attends, non, c'est bon, c'est, je serai. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est le, je l'ai déjà eu. Cet ami là, je l'ai déjà lu. Faut pas, je ne dois pas flipper pour rien. Bon, alors, c'est juste un raccourci en vrai. Donc c'était pas très intéressant. Mais par contre, il y a un passage sur la. Ici là. Et il y a une sauvegarde sur la gauche. Donc on va essayer de passer par là en faisant visite. Il y a un truc à péter là. Et il y a eu un gros bruit. Ça sert à quoi ça? Salut Imra, désolé pour le gros bruit. Ah Imra, préviens quand t'arrives. Bon, on sauvegarde. Ça c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, prenons le temps de regarder ce petit bout de map. Je peux monter et récupérer cette chose qui est un pouvoir. Là je peux récupérer des missiles ou avoir un peu plus d'emplacement de missiles. Là je peux pas, tout ce qui est rouge je peux pas y aller, je crève. Là c'est quoi ça? Unité de recherche de mission, c'est ce que je viens de récupérer. Par contre ouais, y avait un monstre quoi. Bon, on va aller là-haut là. Comment ça va par ici? Ça va, fait aller. World of Warcraft j'imagine. Ouais, pour vous c'est pour Imra, vous, c'est World of Warcraft. Même si en ce moment Imra il est plus trop sur vous. Hein. Mais j'ai l'impression de jouer à Super Monkey Ball. Non, dans l'autre sens, s'amuse, dans l'autre sens. Ouais. Grande réserve de missiles. Oh, trop bien. Il y a un passage. Hop là. C'est quoi? Téléportail rouge. Utilisez le pot téléportail pour se rendre ailleurs. Mais c'est trop bien! Alors j'utilise juste pour voir ce que ça donne. Ils sont partout fuyés. Ah, d'accord. Donc maintenant je suis un Kyrian. Très bien. C'est pas le même jeu. Bien, c'est juste un temps de chargement, je ne fais rien là. C'est un temps de chargement méga long. C'est ce qui a donné le nom au dinosaure mégalodon d'ailleurs, il était tellement long que c'est... Bref. Artaria. Bonjour Artaria, et j'arrive ici. Ah, il y a une sauvegarde juste là en plus. Et Artaria, c'était la zone d'avant. C'était le niveau d'avant. Sauf que je pense que c'est là qu'il faut que je retourne, mais j'ai pas envie parce que j'ai d'autres choses à voir. Ah bah tiens, ici il faudra y aller là. J'ai d'autres choses à voir avant. Ouais, on retourne d'abord à l'autre zone. On revient à l'autre zone. C'est pratique pour les post pipi, j'avoue. La Switch tousse un peu avec ce jeu. C'est l'hiver, elle s'est enrhumée. En vrai, c'est que les temps de chargement parce que le jeu en lui-même, je le trouve quand même très très fluide. Et pourtant, j'ai une Switch Day One, hein, donc c'est-à-dire la Switch la première sortie. Donc celle qui n'a pas été un peu boostée, c'est pas la Switch V2, c'est encore moins la Switch OLED qui est dégueulasse. Mais c'est clairement pas la Switch V2, c'est vraiment la V1.
Si je veux jouer un portable, j'ai que 3 heures de batterie, j'en ai pas 6. Mais vu que je joue 90% du temps sur la télé, je m'en fiche. Bon, maintenant que je suis... Oh, petit passage secret. Bon, alors, maintenant que je suis retourné là. J'ai dit que bah, ça, du coup, je peux l'enlever. Les zones rouges, on va les éviter. J'ai dit qu'il fallait que j'aille par là, donc je suis où? On va essayer de traverser le bleu par le sud, le vert par le sud et passer à l'ouest ici. Donc faut que je prenne cette porte là. Allez go. Elle est pas poussée là OLED, ils ont mis une puce 4K mais ça change pas les perfs. Ouais, il y a encore une puce 4K mais ça fait tourner aucun jeu en 4K. Le seul avantage de la OLED, c'est que maintenant on peut avoir un... brancher directement de l'Ethernet sur le dock. Sur le dock, pas sur la console, sur le dock. Il y a un vrai son quand on joue en portable maintenant et pas un son moche. Mais en dehors de ça, elle est pas intéressante. Et les histoires de la technologie OLED, ça laisse quand même des brûlures sur l'écran. Et c'est juste mal pensé, c'est très très mal pensé. Ça pour moi c'est l'énorme défaut et ça ne justifie absolument pas l'augmentation de prix quoi. Donc bon. La Switch, la règle sur 4K, elle prend feu. Ouais, je pense que oui. Par contre, on pense, enfin, tous les journalistes et plein de Nintendo fanboys pensent très fortement que il y a une Switch Pro dans qui existe, enfin qui va exister. Pourquoi je peux pas passer là? Donc, le jour où il y aura une Switch Pro, on en reparlera. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi je peux plus passer? Ça m'embête ça. Ça veut dire que c'est linéaire? Ou alors que je repasse par le dessus? Je pourrais repasser par le dessus en vrai. C'est pas normal, attendez. Ok, j'ai rien dit. C'est moi qui suis nul. C'est moi qui suis nul. Pour moi, votre sacro-sainte Switch Pro sera la nouvelle console de Nintendo. La Switch est en fin de vie. Sortir un modèle de fou la dernière année sur la Switch. Alors. Selon les anciennes logiques de Nintendo, je suis d'accord. Sauf que depuis quelques temps, Nintendo change de politique et de logique. Et ils veulent pousser la Switch au maximum en fait. Donc je pense que notre Switch en effet est en fin de vie. Mais qu'une Switch Pro est bien dans les bacs. Que les jeux continueront à être des jeux Switch. Et qu'on va pouvoir avoir des jeux Switch même améliorés. Et que la proche, et ce sera juste une Switch 2, une Switch Pro, quelque chose comme ça. Mais qu'on pourra quand même jouer sur des... sur cette nouvelle Switch avec les anciens jeux Switch. En gros, ça restera la génération Switch. Ça fait beaucoup de mots Switch à dire à la fois quand même. Voilà. Il y a un passage là-haut. Droite. Pardon, je passe. Là, je descends au maximum. À contrôler ce machin et là je suis bloqué parce que je suis idiot. Et oui, c'était pas par là. Il y a une porte là quand même, donc ça doit être, faudra passer par le rouge pour revenir là je pense. Mais ça va, oui.
je vais me refaire de la vie en entier. C'est gratuit. Attendant, je vous le dis. Investir une modification assez massive revient à faire une nouvelle console. Là, de toute façon, c'est clair. Avec la pénurie de composants, en vrai, on a le temps. Tu fous le vie là, c'est bon? Oui. Mais je peux pas monter. Ok, je ne suis plus full vie du coup. Punaise. Voilà. Je peux pas monter. Cette chose là, je ne sais toujours pas ce que c'est. Je peux pas aller là du tout. Donc toute cette zone là, au revoir. Qu'est-ce qui restera à visiter? Il y a ça, je pourrais retourner là en vrai, histoire de enfin ouvrir proprement ça. Et pour ça, faudrait que... Attendez, je remonte. Je remonte, je peux remonter, je peux remonter, je peux remonter. Je peux remonter, je peux remonter, je peux remonter. Jusque là, je peux y aller. Faut que je me mette un marqueur ici. Non, non, pas là. J'ai retenu qu'il faut pas placer des marqueurs sur les... Voilà. Sur les objets, mais ailleurs. Sinon, ça peut faire bugger le jeu. Même s'il y a un patch, on sait jamais. Alors, on va déjà faire ça. J'arrive à passer très très vite tout droit. J'ai perdu toute la vie. C'est horrible. Mais il va en diagonale, mon dieu. Raté. Pardon, je passe. Pardon, je passe. Tout ça pour ça. Ah mais... C'est pas que tout ça pour ça, parce que maintenant je peux y aller en fait. Voilà! Nouvelle petite zone! Sans mourir, c'est mieux. Nickel! Là, il y a une porte. Là, il y a une porte. Et là, je reviens ici. Nickel. Et je pourrais presque faire le tour pour aller là. D'accord. Mais avant ça, tac. Ok, on revoit. C'était une zone rouge. Ah, par contre, il y a un téléportail bleu. Bleu? Pourquoi bleu? Attendez, c'est où le bleu? Téléportail rouge. Téléporte ça, c'est vers la zone rose. Punaise, bleu, c'est à une autre zone encore. Ok. Zone. Les pauvres. Franchement, les pauvres. Hein. Ok, maintenant que je suis là, ça c'est censé aller où déjà?
revenir en arrière vers Artaria. Bon, on est d'accord. Donc B, on annule. On va pas là. Très bien. Maintenant, je sais qu'il y a du feu. On descend jusqu'à la zone jaune. Oh, sérieux, je peux pas? Attendez, comment ça fonctionne? Et non. Oh mince! On va faire le tour. Dégoûté. Non, j'ai raté le truc. Mais là aussi il y a un truc. Là aussi il y avait quelque chose, mon dieu, du rouge. Et du rouge de partout. Pardon, je passe. Et là ça a du rouge aussi. Voilà, on revient en arrière. Génial, tout ça pour ça. Donc ça je peux l'enlever. Tout ce que je voulais voir en termes d'accessibilité pour le moment, en bas ici c'est bon, à droite il manque un petit bout là, c'est pas bien méchant en vrai. En vrai si j'ai juste à remonter là. Ça je peux pas l'ouvrir là, il y a quelque chose qui me perturbe ici. Vert ici. Là, il y a un truc là. Là, il y a un truc là. Ça c'est déjà ouvert. Je vais mettre un marqueur ici. Parce que là il y a quelque chose en haut, je pense. S'il faut, c'est peut-être rien, mais bon. Donc où suis-je? Ici. C'est quoi le mieux? Est-ce que je peux remonter? Je pourrais remonter. Pourquoi j'ai ce marqueur? J'ai le... Non, si, parce qu'il y a ça là. Quoique, ça
c'est quand même long de venir revenir en arrière. C'est quand même long de revenir en arrière par là, alors que je pense que c'est quand même plus rapide par le nord. Bon, on va faire ça. Moi monter. Je perds toute ma vie sur ça quand même. Okay. Tout droit. Il y a un petit bout là qui me gêne. Voilà, c'est fait. Tac. Tac. Ah! T'es pas content lui. Voilà. Non, 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 je t'avais pas vu. Ok, réserve de missiles, ça c'est bien. On peut remonter? Non. Si, par là. Maintenant que ça c'est fait, je peux effacer ça. Et j'avais dit que il y avait un truc sur la droite et en haut. On va d'abord aller à droite. Ah, il y a un gros machin là. Il m'a pas vu. Hop là. Et c'était là? Ouais, c'était là. Et là, qu'est-ce qu'on... C'est quoi cette salle? On va les sauvegarder, hein. Et en plus, il m'a fait méga mal, le machin. Je peux régénérer d'à côté ou pas? Oui. Voilà, ça c'est fait. On revient là, on sauvegarde. Alors, c'est une grande salle, je peux m'accrocher en haut et le machin il me fait méga mal. C'est pas méga mal. Je suis mort avant lui? Pourquoi?
Bon, heureusement, je suis... Aïe, pardon, heureusement, je suis à côté. Pas passer en dessous, d'accord. Et il fait des choses comme ça. Je prends des dégâts si je le touche là. Il y a lui là-haut qui m'embête. Voilà. Très bien. Il n'y a pas une unité de recharge genre ça. Non. C'est la porte est fermée en plus. Parce qu'il a régène toute sa vie. Sinon c'est pas drôle. En fait, c'est simple. Il me met deux coups, c'est fini. Mais pourquoi c'est une salle fermée avec ça? C'est que ça doit, c'est qu'il doit y avoir une importance en fait. Ça ne peut pas être juste une salle... Elle est où la salle d'ailleurs? Elle est là. Ça ne peut pas être qu'une salle gratuite, juste avec un mode à tuer sans aucune récompense. Il doit y avoir une utilité en fait. Il y a forcément une utilité. Et vu qu'elle est accessible là maintenant, c'est censé être de mon niveau. Après, bon, niveau à moi. Il y a une différence entre le niveau de Samus et mon niveau. Oh. C'était juste gratuit. Non. C'était juste gratuit, il y avait rien. J'ai fait ça pour rien. Ça pour rien. Très bien. Allez, au revoir le marqueur. Bon, et maintenant, il y avait le marqueur d'en haut. Pour ça, je repasse par la sauvegarde. J'essaye de remonter comme je peux. Thank you.
Oh non, je peux pas passer par là. C'est fermé. Je dois passer par cette zone verte. Punaise. Attendre l'ascenseur. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. En haut et à droite. Ok. Là il y avait forcément quelque chose, je reviens là charger. Voilà, nickel. C'était ici là. Tout ça pour ça. Hein. Bon, maintenant que je pense avoir fait les contours, que je pense avoir ouvert tout ce que je pouvais ouvrir avec mes capacités actuelles, je devrais pouvoir changer de zone. La logique veut qu'on aille à Dairon. Néanmoins, à Artaria, ici là, il y a encore pas mal de choses à explorer. J'ai bien envie de retourner à Artaria. Allez. Ça, je sais plus comment ça s'ouvre. Et je me suis trompé de chemin. Sinon, c'est pas drôle. Voilà.
redescends et ensuite je passe un poil à gauche. Voilà. Puis à droite. C'est peut-être pas ce que je voulais faire. Si, je sais plus. Si, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est le passage vers Artaria. Go en fait. Ok. Alors, Artaria. Maintenant que je suis ici, je ne peux pas aller à gauche là directement. Je suis obligé de descendre. Là, il n'y a rien à faire. Là, c'est dangereux. J'essaye d'observer. Cette zone, c'est bon. Fini de regarder la zone grise. Il y a une hauteur ici en gris. Il y a une rayon de puissance. Ah bah justement, rayon de puissance en vert. Donc on va aller là. Et au passage, clean ça là, c'est très bien. Ok, donc pour la zone grise, c'est bon. Petite zone verte ici. On était bon. Ok. Maintenant, grande zone. On va d'abord faire ça, tiens. Cette zone grise là. Il y a un passage ici, là. Avec Samus en boule. Là, il y a sûrement des choses à casser. J'ai encore tout ça à découvrir avec un autre tunnel. Enfin, un truc là. Il y a des choses en haut. Il y a des choses en haut ici. C'est bizarre là, quand même. Bizarre là quand même. C'est très bizarre là. Attendez, j'en suis où? Oui, j'en suis là. J'ai mis un marqueur. Il y a cette zone grise là, un bleu gris. On va appeler ça du bleu gris. Il faut que je passe en haut. Il y a cette zone là, téléportail rouge. Ok. Aussi, il faut que j'aille. Cette zone verte là, là il y a une porte ici, une porte Emmy en plus. Ah, donc c'est, il y a un Emmy encore qui traîne. D'accord. Il y a toute la partie nord verte ici que j'ai pas faite. D'accord. Et moi je suis en haut à droite. Hein. Alors pour ça, l'ordre logique. Il y a ça ici. Ce serait que je passe comme ça. Je sais pas pourquoi cette zone m'intrigue. Pourquoi cette zone m'intrigue? Pourquoi il y a un petit bout là? Cette zone m'intrigue beaucoup. Bon. J'y jetterai peut-être un oeil. En attendant, il faut que je passe en bas pour pas passer dans le rouge. Et je remonte. Go. Ah punaise, il y a du feu de partout. Je suis passé sans me faire toucher, c'est une blague.
pourrait sauvegarder en vrai. Ce serait déjà ça de fait. Hein. Je peux remonter par là. Allez. Ça déjà. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? J'ai l'impression que ça prend des dégâts. Très grave, hein. Allez, Samus, voilà. On passe là. Je descends jusqu'ici. Et je monte. Porte rayon de puissance. Les portails jaunes. Comment on y accède? Non, pas comme ça. Allez, un tour pour rien, c'est gratuit. Et ça pareil. Attendez. Punaise. Il doit y avoir quelque chose ici pour passer. Mais là, c'est une porte rayon de puissance que je n'ai pas avec un accès verrouillé. Donc ça, ce sera plus tard. Bon, c'est pas grave. Là, je peux pas y accéder. Donc on descend par la gauche. Quelque chose là par contre. Il y avait quelque chose. Punaise. Ah! Pardon, je passe. Voilà. C'est une très très grande salle, ça. C'est pas rassurant du tout.
trop grande salle même. Bon, ce marqueur, je peux l'enlever. Il y a ça ici. Je vais me mettre un marqueur là, par contre. Je vais marquer jaune. Ça changera un peu. Pour dire que je ne peux pas y accéder encore. Là, il y a quelque chose. Je pense qu'il va falloir faire un grand tour. Par je ne sais où, en vrai. Là, il y a une zone pour passer. Là, ça va être une zone de TP. Hein. Pour accéder à une autre zone, d'ailleurs. Une zone pour accéder à une zone. Ok, là, j'ai fait le tour. Donc, je vais passer par là. Il n'y a pas d'accès. Donc là, elle va marquer en jaune. Et on va poursuivre. Ouais. De l'eau, génial. Donc cette chose. Ah d'accord, c'est pour Alakataris. Et c'est un nouveau TP d'ailleurs. Attendez. Alors non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je continue à grimper et là c'est un nouveau TP. Hop là. Ça là-haut. Ça a l'air d'être très grand là-haut. Il y a une cheminée. On va se TP, on va voir si c'est une zone de Kataris à laquelle j'ai déjà accès ou pas. Eh bien. Aussi loin. Une zone que je connais. La réponse est oui. Peut-être. Sûrement. Oui, je connais cette zone. Très bien, alors on s'en va. C'est celui que j'avais pris juste avant en fait. Je ne m'en souvenais plus.
pour l'instant je peux pas me déplacer entre les TP. Je suis sûr qu'on peut se déplacer entre les TP. Très bien. Alors là, je vais prendre des dégâts en bas. Ça va pas être rigolo. Très bien. Oh oui, ça c'est des jolis blocs ça en haut là. Ça ce sont des jolis blocs en haut. Là je peux grimper. Porte. Oh mon dieu, il y a lui. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Porte rayon de charge. C'est pas ça le rayon de charge? Passage ici là. Qu'est-ce que c'est? Un truc à activer. Go. Le flux de carburant thermique a été redirigé. J'aime pas quand ça tremble et qu'il y a de la musique. Non! C'est quoi l'arnaque? Samus, allez! Je vais mourir, punaise! Bon, c'est une épreuve intéressante. Alors avant d'activer ça là-bas, hein, petite précaution. Ok d'accord, pas de précaution en fait. C'est une zone rouge. Ok.
Ça muse punaise. Bon, c'est calme. Je récupère un peu de vie, hein, si j'y arrive. Voilà. Carte. Tout droit. Ça va se casser. Ah, le chorizo. Yes. Comme l'impression que je vais pouvoir aller dans le feu. Ah, l'armure. Combinaison Varia obtenue. Ça réduit les dégâts infligés par les attaques ennemies et protège Samus de la chaleur extrême. En revanche, ne protège pas du froid ni de la lave. Augmente par ailleurs légèrement les dégâts infligés par la frappe de course. Donc je peux aller dans les zones chaudes sans passer par la lave, mais ça ne protège pas du froid. Donc ok, je m'attends à aller dans une zone froide. Très bien. Merci Chorizo. Merci, merci. Bon, ben maintenant que... va falloir se balader dans toutes les zones rouges, sinon c'est pas drôle. Il y a quelque chose là-bas. Ah mais ça je peux pas l'activer encore. Bon, à la base, c'était pas... enfin, je pensais pas grimper autant. À la base, j'étais là. Tac, tac, tac. Du coup, là, je vais traverser les zones rouges. Pour revenir ici. Tac. Et sauvegarder. Ok, on fait comme ça. Donc là, la lave, je peux pas y aller, par exemple. Voilà, là, je ne peux pas aller dans la lave. Du coup, vu que je ne peux pas aller dans la lave, je vais me faire un marqueur rouge pour dire, attention, c'est la lave, faudra y aller plus tard. Voilà. Ensuite, maintenant que je suis là, on va se balader. Hein. Ça, c'est là d'où je viens, en fait, tout ça. C'est quoi les trucs, là? Pourquoi il y a des choses sur la minimap là? C'est les marqueurs que je viens de mettre. J'ai l'impression que ce sont les marqueurs que je viens de mettre. D'accord. Alors, je fais attention là où je vais faire attention. C'est pas grave. Bon, ça revient là. C'est pas très grave. Il n'y a pas d'ennemis par contre, à part de la chaleur, ce qui est déjà beaucoup trop. Bon, en vrai, je peux passer par là. Je me méfie un peu, hein. Attention, la lave. Et je reviens ici. D'accord. Et je retombe dans la cheminée. Ok. Donc, j'ai bien fait d'explorer. Non, non, je veux pas aller... non, non, non. Voilà. Continuons l'exploration. Maintenant qu'on peut aller dans les zones rouges. C'est quoi ce point là? Bloc rayon.
Mais je suis bloqué. Non. Et je peux pas faire le tour. Je vais devoir changer de zone. Je ne peux pas faire le tour. Donc ça, je peux l'enlever. Là, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas accès. Je pense qu'il va falloir casser du bloc par là. À la base, je voulais quand même aller là, puis là. Sauf que je me suis condamné le passage. Pour ça, je dois aller au téléportail rouge qui m'amène ici. De ce téléportail rouge, je vais devoir aller peut-être au téléportail bleu. Ou revenir par Artaria. Mais il y a des zones rouges ici que je n'ai pas faites au passage. Il n'y en a pas beaucoup. Elles sont un peu étalées. Je sais pas si c'est grand ou pas. Après, là, j'ai l'impression que tout ça, c'est de la zone rouge en fait. Hein. Je n'ai pas d'autre choix. Je peux pas remonter, j'ai tout à fond, je suis bloqué, je dois changer de zone. Changement de zone. J'avais l'impression de ne pas avancer néanmoins, parce que je pensais explorer plus d'Iron, la zone que je pensais vraiment avancer aujourd'hui. Au final, j'ai pas fait d'Iron, mais il y a eu un ennemi de fait. Il y a eu deux nouveaux pouvoirs via le chorizo. Je peux aller dans la zone de feu sans aller dans la lave. Franchement, ça reste une avancée. Et on a la boule. Franchement. Un nouveau tir, la boule et l'armure pour aller dans les zones de feu. Franchement, c'est pas mal. Du coup, on va descendre pour sauvegarder. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, j'ai le choix entre aller dans la grande zone ou alors remonter, faire cette petite zone là. On va faire cette petite zone en fait. Du coup, je vais remonter. Là, je peux pas passer. Je vais remonter par là. Par là. Punaise, il faut remonter loin en fait. Attendez, il faut remonter méga loin. Je suis obligé de passer par le vert. Parce que je peux pas passer dans la diagonale là. Je peux pas sauter là. Je pense pas pouvoir sauter là. Ça se tente, mais je pense pas. Bon, on va se balader. Tout. Ok, j'ai rien dit, j'ai pu passer. J'ai rien dit. N'hésite pas. Ok. Alors attention à la lave.
Il y a des choses en bas que je ne peux pas prendre pour le moment. Et je n'ai pas accès à ça. Par contre, il y a une zone rouge ici. Ça devrait se débloquer ailleurs. Comment ? Je ne sais pas. Il y a ce machin là. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, cette zone rouge, c'est fait. Celle-là, je peux pas y aller. Donc, il faudrait que je revienne en bas. Parce que j'ai pas autre chose à faire avant. Ça, on la clean, hein, on est d'accord, on a tout ouvert. J'ai fait tout ce que j'ai pu avant les zones rouges. À part ces portails bizarres là, ça. Je pourrais maintenant aller. Là-bas, c'est pas bien grand. Hein. Bien que là, je sais pas ce qu'il y a là. Mais ça, c'est pas bien grand. Donc il faudrait peut-être aller tout au fond là. Là, c'est pas bien grand non plus. Là non plus. Et après, ça m'attarder dans cette zone qui a l'air quand même relativement grande. Donc. Allons tout à droite, et pour ça, le mieux, c'est d'improviser. Hop, on va réfléchir longtemps. Pourquoi j'ai dit que je voulais monter par là? Je sais plus. Hop là, la petite sauvegarde. Dès qu'il y a une sauvegarde, réflexe, faut sauvegarder. Surtout dans ce jeu. Ok, à nous. C'est une zone de... Non, c'est pas une zone de boss. Tant mieux, j'ai envie de dire. Là, il y a un trou. On va monter d'abord. J'ai l'impression d'être sur Mustafar dans Star Wars. Pour ceux qui ont la ref. Punaise, c'était... D'accord. J'avais pas vu. Qu'est-ce que... Il y a des choses sur la gauche, hein. Il y a encore des choses sur la gauche. Ah mais tout se pète. Ah ouais, d'accord. La gratuité, quoi. J'ai pas l'impression de pouvoir y accéder pour le moment, en vrai. Ça m'a l'air bien grand, là, le passage.
n'y ai pas accès pour le moment. Il y a une zone de... une réserve de missiles. Il y a quelque chose en haut sûrement. De toute manière, il y a... là, il y a encore quelque chose. Donc, je pense que la zone de lave continue toute cette zone-là. Là, il y a quelque chose aussi, mais je n'y ai pas accès. Vas-y, casse-toi. Voilà. Il n'y a rien de la côté, non. Rien accès ici. C'est bizarre quand même de pas. Ça a l'air fin. Soit. Eh bien, faisons-le. Alors, pour faire le tour. Ça va, c'est pas bien loin. On passe. Il faut passer ici. Non, faut descendre. Oh là là, mais il y en a partout ces choses là. Ok, donc là faut que j'aille en haut. Je crois que je vais me faire embêter. Eu avant qu'il me... Non, je crois que j'ai perdu un peu de vie quand même là. Ok, oula. Oh la lave là. Bon, il y a un passage ici. Donc plus tard, je vais supposer qu'on va avoir le pouvoir de la lave. Bon, ben résultat des courses, je ne peux pas. Et c'est le pouvoir de la lave qui me permettra de passer là-dedans et de récupérer le TP bleu. D'accord, ok. TP bleu qui est ici. Donc maintenant, ben, je peux retourner à Artaria en fait, je suis à côté là. Je pourrais faire ça, mais je voulais clean avant le reste en rouge ici. Attendez, carte. Ouais, on va faire ça. On se calme. C'est quoi ça déjà? Non, ça c'est un véhicule. C'est le véhicule. Bête, j'ai dit, j'ai dit juste avant et je me repose la question de 3 secondes après. Attention le feu. Pardon. Je m'étouffe. Oui, on peut re-sauvegarder ça, c'est trop utile. C'est toujours utile. Est-ce que je peux aller? Non, en haut je peux pas y aller. J'ai dit que cette chose là je peux pas l'utiliser. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc là faut descendre. Fonce dedans, c'est pas drôle. Ok, alors là, du coup, gameplay sur 20, il fait le tour. Oh le vicieux. Si je meurs là. Non!
Samus, punaise, non. Samus. Non, Samus, elle a fini brûlée. Ah. Elle était loin, la sauvegarde. Attendez. Non, c'était pas si loin ça. Ah, j'ai raté l'ascenseur. Ah, il a changé de sens maintenant. D'accord. Ah, je l'ai raté. Punaise. Ok. Et maintenant. En vrai, c'est quoi? En vrai, c'est jouable. Mais par contre, le retour va être compliqué. Non, 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 non. J'ai besoin de vie. Merci. Ok, j'ai plus envie d'aller dans cette zone. Par contre, il y a une zone rouge là-bas, il faudra grimper. Donnez-moi de la vie. De la vie, s'il vous plaît. Il est caché. Non, il est pas caché. Non, elle peut pas grimper là, sérieux. Mais non. Comment je vais faire? Donc là, il y a la sortie, très bien. Deux machins à péter. Je peux pas envoyer des missiles. C'est pas possible. Ils seront pas dans la bonne direction. Bon. Alors ça, faudra les récupérer plus tard. Vraiment plus tard. Du coup, je mets un marqueur rouge. Et on s'en va. Un peu de vie, il y avait des ennemis là tout à l'heure. Okay. Et là, du coup, il reste bah, tout ça. Je peux essayer de voir cette porte, mais je pense pas que ça puisse être ouvert. Allez, go. Ouais, celle-là je peux pas l'ouvrir, celle-là non.
Il faudrait que je passe par l'intérieur, du coup ça sera la sortie d'après. Pardon, je passe. Merci. Attends, je réfléchis. Ok. Bon, maintenant qu'il n'y a plus l'Emile, là ça va aller mieux. Là faut que je passe en haut. Voilà. Oh trop bien, merci, il m'a heal et tout, très gentil, très généreux. Non, je peux passer là, je le sais. Voilà. Ah ok, je pouvais passer en fait. D'accord, c'est à sens unique. Oh punaise, il y a le truc qui va se fermer sur moi, c'est ça? Attendez. La rigolade. On va sauvegarder quand même. Voilà. La petite sauvegarde, toujours du bien. Alors, du coup, on va repasser en... Oh punaise, c'est vrai. J'aimerais bien pouvoir tirer en étant en boule quand même. Non, c'est par là, qu'est-ce que je fais? Alors, tac, est-ce qu'il y a beaucoup de la... Je peux pas du... Très bien. D'accord, et ça, il va y avoir le monstre de lave qu'on va affronter plus tard. Je me fais flipper déjà, alors je l'ai pas encore rencontré. Bon, je ne peux pas du tout y aller, il y a de la lave. Je ne peux pas passer du tout, sauf si... Sauf si je me permets de prendre des dégâts en vrai. Genre comme ça. Ça ressemble fort à une inquiétude. Carte s'il vous plaît. Un point de sauvegarde est appréciable. Serait appréciable. Punaise, je peux pas y aller. J'ai pas l'arme qu'il faut. Mais il y a un passage en bas. Mais là j'ai fait l'imbécile en fait, parce que je ne peux vraiment pas passer du coup.
Oh non, c'est lui. Il va me tuer. Sauvegarde s'il vous plaît, de la vie, quelque chose. Non. Alors, en haut ou en bas? C'était pas en bas. J'ai pas de vie, hein. J'ai rien du tout. C'est pas un ennemi du coup, c'est un boss. Oh! Mais il est prisonnier? Libéré, hein. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il perdrait beaucoup de vie, mais il a l'air de prendre des dégâts quand même. Bon, je retiens. Il faut pas passer en bas. On va d'abord finir la visite en haut. J'ai quand même pas de vie. Je peux pas remonter pour me heal. Hein. Donc, hop, hop, on va pas en bas. Ah, il y a lui qui va m'embêter là. Voilà. Il y a quoi ici? Ah mais attendez. Attendez. C'est là d'où je viens. C'est juste là d'où je viens, c'est nul. C'est complètement nul, j'ai pas d'autre choix que de faire le boss. D'autre choix que sur le boss. Yes. Eh bien. Bah oui, évidemment. Il y a un gros trou dans le ventre. Hein. Il a deux trous dans le... C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Thank you.
vraiment vraiment origine de la vie. Hein. Je peux pas. Peut-être lui à la limite. Waouh, j'ai perdu plus de vie que j'en ai gagné. Pareil. Faut vraiment que je régène en fait. Je peux pas me permettre d'affronter le boss sans avoir régène. Pas comme je veux. Il est passé où? Ok. Il peut prendre des dégâts. Donc. J'ai pas la strat, je pense qu'il va falloir que j'y revienne plus tard parce que je manque vraiment de vie en fait de base. Du coup, on va mettre un marque. Bah, boss cred, ouais.
placer un marqueur. Pardon, je passe. Je crois que je peux passer les deux, trois, deux. Ah mais attendez, je peux régénérer ici la vie. Ça va être un peu long. Faut pas que je me plante après. Remets ça dans la tête. Hein. Voilà. J'ai un peu plus que tout à l'heure, mais. Je balance. Non, Samus, non. Laisse de Samus. Suite. Non, arrête de dépenser des fusées, toi. Voilà. J'arrive pas à voir. Ok, en fait non, c'est lui qui me bat. J'ai fait une énorme bêtise. J'ai fait une bêtise, pas possible. On recommence. Ils sont KO ? Ouais, c'est bon. Et lui, il est revenu ? Non, c'est bon. J'espère qu'ils vont pas revenir, ça m'arrangerait. La vie est prioritaire. Et 45, on y va. Les deux, celui-là, c'est bon, il est pas là. Lui, il a des pop aussi, parfait. Une sauvegarde ici aurait été intéressante. C'est bizarre d'ailleurs. Zone boss, mais ça ne nous met pas de sauvegarde. Une régène avant. C'est aller affronter le boss sans munitions, sans rien.
Et voilà. Et là, je suis bien. Je suis bien. Maintenant, tout est une question de skill et de réflexe. Et ça. Ça. Celles et ceux qui suivent depuis un moment, vous savez que c'est pas mon fort. Comme Nelson. Phase 2. Ça, je comprends pas cette chose. C'est quoi, ça explose? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ça rebondit partout. Je sais pas si je fais des dégâts dans le ventre là. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ok, et maintenant? J'ai vu un truc pour s'accrocher là-haut. Ok, j'ai vu un truc pour s'accrocher là-haut. C'est déjà pas mal. Dedans. Phase 2. Je peux pas le contrer? Non. Par contre, ça me touche. Super mal en fait. Fais ton autre truc, c'est plus rigolo. Voilà ça. C'est pas rigolo, c'est juste que. Oh là là, on s'est perdu. Ok. Il m'a touché. Bon, j'ai réussi à grimper. Il y a un petit peu d'amélioration. Pas quoi faire avec ça. Oui, ça oui. Là. Je
Je l'avais pas vu venir, ça. Donc il me donne une petite baffe. Je ne l'avais pas vu venir. Donc en gros, dès qu'il tourne la tête, je dois tomber. Donc il y a eu une avancée sur la deuxième phase. Je sais pas si c'est qu'est-ce qui peut lui faire le plus mal. Un missile ou... ça. C'est pas une bonne technique ça. Ouais, même pas passer en phase 2. Ok, d'accord, en fait. Mais à part ce là, voilà, prendre des dégâts. Je pense qu'il y a un truc à faire avec son nombril. On va, c'est deux nombrils. Il y a un truc à faire, mais pas compris quoi pour le moment. Des dégâts, hein. Attendez, moi aussi, mais là il a plus de dégâts en fait. Je me rends compte là. Ah oui, c'était idiot. Là aussi, c'était idiot. Je sais pas s'il y a eu une avancée ou pas là. Je sais pas du tout.
bouge le trou. Qu'est-ce que... Il y a eu une avancée, oui, en effet. Il y a eu une avancée. Par contre, il est long, en fait. Il est très très long. C'est gratuit. Un truc, j'essaye un truc hein. C'est un trail pour rien, je vais mourir dessus mais je t'en prends pas. Okay. Je sais pas si non ça sert à rien, j'ai perdu ce trail. Je pense pas que lui viser le nombril soit si pertinent en fait. J'ai l'impression que ça fait un truc, mais je sais pas... Quoi qu'après, il s'est caché le nombril quand même, donc c'est que ça doit lui faire quelque chose. Mais peut-être pas lui balancer tous les missiles dans le nombril. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des créatures en fond, d'accord, très bien. Étrange, très étrange. On va voir si ça passe, hein. Ça finira par passer, un jour ou l'autre, hein, mais pour l'instant... Je ne sais pas. Ça m'énerve, je comprends pas ce que c'est. Punaise, trop tard, dommage. Et voilà, je ne sais pas sauter. C'est bête, hein. Là, c'est vraiment une erreur nulle. Vraiment une erreur nulle. Hein.
punaise. Non, j'ai pas... missile. C'est bon, là j'ai perdu. La panique sur la fin là. J'ai réussi à monter trois fois. Mais c'est quoi son point faible là sur la phase 2 en fait? Ok, la tête, d'accord, mais le nombril c'est un point faible ou pas? J'ai vraiment une impression qu'il y a des dégâts. Tout à l'heure il s'est touché le nombril. Donc c'est que ça doit être un point faible. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire quoi que ce soit avec? Pas sûr. Il m'a fait peur. Punaise, je suis tombé parce qu'il m'a fait peur. Il me reste un missile. Un seul. Alors jette-moi encore plus de choses aussi.
Qu'est-ce qu'il fallait faire là? Non. J'ai pas. La phase est beaucoup trop longue. J'ai pas la phase. Pas la strat, j'ai vraiment pas la strat. Et là, là c'était juste patienter. Enfin, au moins c'est un boss, c'est un boss quoi. Mais j'ai pas la strat. Bon, c'est bien parce que depuis le début d'aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je ne voulais pas faire par rapport à ce que je pensais faire. On n'a toujours pas mis les pieds à Dairon, alors que c'est là que je pensais commencer. Et au final, on fait de la visite, on tombe sur un boss. Très bien. Très très bien. Côté rouge. La map, je crois qu'en fait il faut vraiment faire le boss en fait. Je regarde Artaria vite fait. Artaria d'ailleurs, j'oublie toujours le R. Il y a cette zone là en bleu que je voulais aller, il y a cette zone là, le toit, plafond, elle n'est pas propre. À la base, c'est ce que je voulais faire avant de tomber par hasard sur Cred, quand même. Cred. Là, il y a des choses bizarres, mais j'y ai pas accès. C'est tout ce qui me restait à faire ici. Enfin, en tout cas, sur mes capacités. Et là, ça débloque une autre zone. Et là, je vous avoue que le boss, je sais plus, c'est beaucoup d'essais. Bon, ça doit être 15-20 essais. Je le trouve quand même difficile, surtout sur sa phase 2. Je comprends pas sa phase 2. On se calme la manette, arrête de vibrer. Je ne comprends pas sa phase 2. Donc, je pense poursuivre ma visite. Peut-être avoir d'autres capacités, ça m'étonnerait. Hein. Je pense que là, vraiment, l'histoire s'est passée par Cred. Donc, bon. Bon, sortons de là. On va sortir de là. Le portail rouge, on sait qu'il faut pas le prendre. Et on va
redescendre par là. Et non, je peux pas redescendre par là, vu que je peux pas passer là. J'ai pas le droit de passer non plus. Mais je peux passer par la zone rouge maintenant, par contre. Je peux passer par la zone rouge. Ou alors je m'embête pas, je passe par, par le vert là. On va faire ça. On va passer par le vert. Donc je remonte. Je passe par le vert et on s'en va. On reviendra sur le boss plus tard. Ah punaise, ils sont de retour les trucs au-dessus. Ça m'arrange pas ça. Vert, on a dit. Ok. Ah, c'est vrai. J'ai oublié de taille. Pratique, très pratique. Tac tac. Ok, on va tomber ici. On passe. Calme. Et on se casse. On reviendra ici plus tard.